Peut-être d'autres capables. Ouais, en pile question, d'autres capables. Alors, serez-vous des gens libres, des esclaves, ou bien des regrettés avec le Seigneur? Cinq différentes questions que les hommes capables de poser ou même qui la matin. Cinq différentes questions, juste pour taquiner. Et c'est ça qui fait que vous avez besoin de l'évangile. Est-ce que nous n'avons pas fait? Ou besoin de lire la Bible, ou besoin de tendre l'évangile pour leur être capable de défendre foi parce qu'on connaît. Et sous qui sont campés? En Haïti, on y a un sous qui bite ou campé, nous-mêmes nous connaissons que nous campés sous bite l'évangile, n'est-ce pas? Le chrétien, il a l'assurance de sa propre résurrection. Car la première question que les hommes sont capables de poser, nous, qui côté n'a dirigé nous, n'a répondu immédiatement. Gagner une préparation spéciale. Qui ça me dit une préparation qui genre? Spéciale. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, lui a préparé une demeure. Et tendez ça bien. Notre Seigneur Jésus-Christ, il a fait la promesse. Il a préparé une demeure pour les croyants. Et c'est ça qui fait que, quels que soient les problèmes que nous avons gagnés pendant que nous soutenons ça, nous sûrs et certains que nous n'avons pas de problème parce que nous demeure qui a le préparé pour nous. En effet, quand pile monde qui a un problème demeure en bas ici. Mais lors du livre de Corinthiens, chapitre 5, le verset 1er, qu'est-ce qui est écrit? De Corinthiens, le chapitre 5, le verset 1er. Nous savons en effet que si cet temps où nous habitons sur la terre est détruite, et c'est là le texte là intéressant, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Et là, besoin que, en tant que chrétien, nous essayons de comprendre ce qui est écrit, parce que c'est un édifice qui est l'ouvrage de qui est-ce? Oh, l'Église! Un édifice qui est l'ouvrage de qui est-ce? Cela veut dire que ce n'est pas un architecte de ce monde qui fait. C'est l'ouvrage de Dieu lui-même, une demeure éternelle. Ça veut dire, il a parlé de demeure éternelle. Et m'baguement qui est zoulé, il n'y a pas bien fort la jour. Donc à partir de ce moment, il s'agit d'une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Et l'auteur de l'épître aux Hébreux écrit dans Hébreux 13, le verset 14, nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Mais vous entendez ça très bien. Nous n'avons pas ici-bas de cité permanente. Tout le monde qui comprend que après t'es ici, vous faites viezo, pas de personne qui a fait viezo. Nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Et à partir de ce moment, en tant que chrétien, voilà ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Mais nous cherchons celle qui est à venir. Est-ce que nous d'accord avec ça? Amen. Combien de monde qui a cherché la demeure à venir? Nous pas qu'à chercher demeure ici-bas. C'est vrai, nous pas qu'à dormir dans la rue. Mais bon, vous n'avez pas ici-bas de cité permanente. Si vous avez pensé que nous avons dit, demandez grand grand nom contre Kaili et Rounia. Nous d'accord même? Ni grand grand nom, ni grand papa. Donc, il n'y a pas de cité permanente ici-bas. Donc, vous n'avez pas ici-bas de cité permanente. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ, qui a fait une préparation spéciale, demeure pour les croyants, il t'a fait une promesse certaine en Jean 14, les versets 2 et 3. Il t'a dit, il y a plusieurs demeures. Vous d'accord, même? C'est Jésus-Christ qui a parlé, celui qui ne ment jamais. Donc c'est là nos besoins, mettez espérance pour nos besoins, et chita, on est tout espoir nous. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer, qui ça? Une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, si ça le dit la fin, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et c'est ça qui fait que nous chantons les paroles de ce cantique.
Le monde, ce n'est pas la caille, moi. Qui compte nous aller? Non, c'est la moi. Parce que qu'on le veuille ou non, ou qu'a fait 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans sur la terre, mais le monde, ce n'est pas la caille. Mon côté que nous aller, c'est l'assurance de ma résurrection en tant que chrétien. C'est dans ciel là nous aller. Pas seulement une préparation spéciale, mais en tant que chrétien qui gagne assurance de résurrection, pardon, puisque notre Seigneur est ressuscité déjà. La deuxième question que vous demandez nous, qui est-ce qui va gouverner nous? Parce que les hommes maintenant, ouais, que tout le monde, vous avez tous l'esprit surchauffé, parce que entre démocrates et républicains, vous devez choisir un président. Et qui est-ce monde qui va diriger nous? Et c'est ça que nous aimons dans l'évangile là. Gardez bien le texte que nous sommes lits dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 et versets 16 et 17. Il y aura une apparition glorieuse. Est-ce que nous saisissons ça qui va arriver là? Et t'as aimé que nous commençons à faire image là. Imaginez qu'un jour, non, moi, mon gosse, imaginez aussi c'était matin, que mon trompette qui sonnait, et puis le Seigneur lui-même descendra du ciel. Une apparition glorieuse du Seigneur dans les airs. Bon, dites-vous-même qui chrétien, gagnez espoir, vous avez? Gagnez espoir. Et c'est ça que fait nous aimer chanter les paroles de ce cantique. Et section française des chants d'espérance, numéro 100. Il va venir, le Seigneur que j'adore. Bientôt, sa voix retentira du ciel. À mes regards, besoin que nous essayons de faire imagination avec. À mes regards, l'horizon se colore. Nous imaginons qui change notre appel. L'horizon se colore des purs rayons du soleil éternel. Je dis à soleil, la vinyle, elle finit là le coucher. Mais qu'on joue soleil, la plévée éternellement. Et imaginez-vous en ce jour-là, le ciel se colore. Ah! Nous, on a fait feu d'artifice, mais imaginons que c'est le ciel qui a fait feu d'artifice. Le ciel se colore des purs rayons du soleil éternel. Oh, ce sera sensationnel! Quelque chose ou l'impression que on met quelque chose de spectaculaire parce que les hommes les font un spectacle soit dans Madison Square, yo sensationnel, sensationnel, yo parle pas un spectacle, mais c'est Jésus-Christ qui parle un spectacle. Donc imaginez ce jour là, ce grand jour de résurrection que nous attendons, ce sera spectaculaire et ce sera exceptionnel parce que le pape fait deux fois. Et c'est ça que fait maintenant, on a dit que si il y a un monde qui est dans le temple ensemble avec vous, qui peut avoir une espérance de résurrection par pour aller avec Christ, dégagez-vous, rongez-vous, parce que ce sera exceptionnel, ce sera extraordinaire, ce sera impressionnant, inimaginable. Personne ne peut imaginer qui j'en joue ça à lier le grand jour de résurrection. Parce que le texte là clair, il dit car le Seigneur lui-même. À la question qui les gouvernera, le Seigneur lui-même. C'est lui qui. Ce n'est pas un républicain. Ce n'est pas un monde que nous allons voter pour lui pour nous faire un job. Est-ce que nous l'avons fait? Ce n'est pas un job qui fait nous voter. Ce n'est pas un monde qui dit votez, l'aime bon à bon tout. Mais Jésus-Christ déjà a préparé en place. Elle dit la retourner, c'est lui qui va nous gouverner. Et c'est ça en cause de maintenant tête haut. Ce sera une apparition glorieuse de celui qui gouvernera son église, de mon président, de mon gouverneur. Et mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous avons en tant que chrétiens l'assurance de notre propre résurrection. Parce que le Seigneur dit, après que les morts en Christ furent ressuscités, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous serons toujours, toujours avec le Seigneur. Premièrement, une préparation spéciale. Deuxièmement, une apparition glorieuse.
Est-ce que nous bien faire les samedi la matin? Amen. Premièrement, une préparation, une apparition. Oui. Et c'est ça l'attente. L'attente que on est que le Seigneur paraît en l'air. Parce que tout ça m'a souffri en bas ici. Il est temps pour bagaille ça au fini. Il est temps. Moi je dis Amen, viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur Jésus. Et les hommes ont demandé à la troisième question qu'ils ont posée, mais qui changement qui va produire? Qui changement qui va produire? Et là, il y a besoin qu'on ait qui changement. Nous allons gagner une transformation immédiate. Une transformation qui samedi? Immédiate. Une transformation immédiate. Pour les racheter de Jésus-Christ. Tout le monde qui sait, monde qui t'a accepté Jésus-Christ comme Seigneur, comme sauveur personnel, ou pour le transformer immédiatement. On va le faire nouvelle. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Le chapitre 15. Les versets 51 à 53. Pour nous voir que notre Seigneur Jésus-Christ lui parlait de mon mystère. Et en tant que chrétien, lorsqu'on l'évangile, on ne peut pas bluffer. Lorsqu'on est la parole de Dieu, c'est ça qu'on dit. Lire la Bible, nous, pour nous ne pas bluffer. Parce que témoin Dieu, on va dire nous comme ça. Tout le monde ici, c'est pour vous. Alors que nous avons acheté quand il y avait comme nous, comme pas nous. Donc nous avons bien mérité, nous mettons tout fait au cadeau de ça. Parce que le Seigneur vini, une transformation immédiate. Voilà ce qui est dit en 1 Corinthiens, le chapitre 15, les versets 51 à 53. Voici, je vous dis un mystère. Moi, j'ai mes mots mystère là, pas de temps pour me définir. Voici, je vous dis quoi? Un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous, nous serons changés. Et voilà, en un instant. Waouh! Transformation immédiate. En un clin d'œil. Cela veut dire, le temps pour ta bâtie, mal est déjà. Transformation immédiate. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront. Et après ressusciteront, qui mourront incorruptible. Est-ce que nous avons saisi ça qui a parlé là? Bon, dis-le, que tu n'as plus de problème, c'est parce que vous ne pouvez jamais penser à jour Jésus-Christ à venir chercher vous. L'on pense à jour maintenant, jour. Absorti à l'étranger pour le vini, joue sans pardon. Vous avez compris? Donc, elle est bonne d'image. Nous ne comprenons pas qu'on aime tout. Amen. Alors, posez ce domaine question. Regardez, maintenant, le semaine n'a joué pas tant. Où on la fièvre qui a passé dans tout le corps. Et c'est là, en tant que chrétien, nous devons chauffer pour Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes ici samedi? Nous devons chauffer pour qui est-ce? Pour Jésus-Christ. Parce que c'est fiancé, non? Nous sommes fiancés à Jésus-Christ. Et à partir de ce moment, nous devons l'attendre. Et ce que j'aime, c'est que la parole de Dieu déclare, c'est que les morts ressusciteront incorruptibles. Cela veut dire que ni nous-mêmes qui vivons, nous serons incorruptibles. Parce que, est-ce que nous connaissons qui ça plus corrompt la vie nous en tant que chair humaine? Non. L'autant d'où il y a une tension qui a battu. Il y a des fois où coucher, tension en descend. Ou camper, tension monter. Ou appuyer, tension balancée. Donc cela veut dire que on a une chair corruptible. On a une chair qui n'a pas de problème. Ou sentiez-vous pas vivre bien, mais gagnez un jour. Tension. Alors, bon, comment parler avec Haïtien? Parce que ici aux États-Unis, si mon yogon, je vous fais baba, il ne va pas comprendre. Parce que, body language là, on pas cette importance. En Haïti, comment est-ce qu'on fait baba? Baba. Les ministres, moi, ils font ça. Donc, ça veut dire, les femmes, ça ne va pas comme ça, on dit. Est-ce que nous voyons parce que nous-mêmes haïtiens nous n'avons pas de langue? Pas non. On est nous faire babaye. Mais bonjour, tension. M'a dit cholestérol. Diabète, ça y est, les sucres là. M'a dit
Si tu as mis qui voulait faire comme ça, on va te faire comme ça. Mais moi, c'est con ça, mon frère. Parce que quand maladie qu'on y a, il y aurait Alzheimer. Mais moi, je ne sais pas, c'est grave, pas vrai? Mais bonjour, on a dit Alzheimer. Bonjour, on a dit péché. Parce que c'est l'idée d'impression pour nous séparer nous avec Christ. Mais bonjour, on a dit péché. Et la mort qui toujours fait nous grimace. Parce que tout le monde là, nous tous nous faisons mourir, pas vrai? Il y a des gens qui peuvent faire mourir. Est-ce que vous avez personne qui va mourir? D'ailleurs, on va nous histoire à faire la mort et le bûcheron. Nous songez ça. Est-ce que nous songez la mort et le bûcheron? Oh, mes amis, regardez, ici un petit Fab de la Fontaine. Alors, on lui raconte nous encore. Parce que c'est un vieillard de plus de 100 ans. Calculons, on est qui fait plus que 100 ans. Ou mangez contre? Mangez où? Ou mangez contre Cello? Contre Banano? On a boué en pile de café. Donc maintenant, quittez l'homme en mini. Alors, quand monsieur était dans la misère, souffrance, calamité, problème, monsieur arrivé à la forêt, la ramasser petit bois pour la faire manger. Mais nous connaissons, même Jean, moi-même avec nous, vieux quoi actuelé, et puis à partir de ce moment, quoi faire le mal, les pour le redresser. Il sentit souffrance la folle, dit, mais pour qui ça n'a pas vu pour moi? Tout a tout fini avec tout bagaille ça yo. Quand pile monde dans la vie parfois souffrance qu'on forer le l'amour, oui, content. Mais tout le monde après le l'amour. Ou pas d'aller mais elle vient vrai donc. Son façon de parler. Et à partir de ce moment, Fab la Fontaine dit nous que le l'amour général l'amour paraît devant monsieur, monsieur gardé où est c'est l'amour vrai. Et puis l'amour te pose une question, il dit où tu relais moi? J'ai dit non, moi-même. Bah, j'aime l'eau. Il dit oui, m'entendons, elle aime. Vous dites qu'on va pas passer misère, puis bon, donc, on est venu pour votre secours, venu pour me prendre, et puis pour m'en avoir, pour ça finir pour. J'ai dit pas ça, m'te dit qu'on s'en besoin au monde pour aider, me mettre un paquet de bois sous tes soins, et puis pour m'aller. Et la Fontaine finit plutôt souffrir que de mourir. C'est le vœu de tout homme. Donc ça veut dire que personne ne va pas mourir. Mais vous imaginez le jour que notre Seigneur Jésus-Christ retourne, même le mort n'a fait le babay. Est-ce que nous avons ça? Et joue ça, mon cher, moi-même, si, bon Dieu, même chance, c'est parti grimace m'a fait la mort. Pour me dire voyant. Parce que la parole de Dieu déclare que nous serons changés. Et dans le même texte, nous, dans 1 Corinthiens chapitre 15, des versets 51 et 53, il est dit car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. C'est ça dans l'évangile qui dit ça. C'est ça dans l'évangile qui fait promesse que ce corps corruptible sera changé en un corps incorruptible. Cela veut dire que bonjour, maladie de l'être, cherchez n'y pas besoin de moi. La maladie te fait sale bidon, il n'est pas capable de faire rien avec parce que le Seigneur va transformer ce corps en un corps glorieux. Et une transformation immédiate. Dans 1 Corinthiens 15, 42, c'est ça le dit. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Donc c'est pas nous. Notre Seigneur Jésus-Christ, il a fait une préparation spéciale. Il a fait une apparition glorieuse. Il a gagné une transformation immédiate. Et bien, moi, est-ce que nous connaissons les soins? Premièrement, il a gagné une préparation qui ça? Spéciale. Deuxièmement, il a gagné une apparition comment? Glorieuse. Et après, il a gagné une transformation immédiate. Et pas tous les élèves, donc, sont les soins. Ben, nous reprenons les soins encore. Premièrement, a gagné une préparation, ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait déjà. Deuxièmement, pour gagner une apparition, comment? Ça, c'est ça, moi-même, avec Nathan. Et pour gagner une transformation, en un instant, en un clin d'œil. Et pas seulement ça, parce que les hommes toujours posent une quatrième question. Vous demandez, mais qui statue vous allez gagner?
qui statue au galgain. Et c'est là moi pral essayer faire comprendre mes frères. Pral faire comprendre ce que j'appelle la sanctification finale. La sanctification finale. Bon, dis-nous, bagaille. Dans le langage théologique, on parle de la sanctification positionnelle. Cela veut dire que nous-mêmes, qui là, matin, bon Dieu, retirez-nous dans le monde. Les mettez-nous à part, mettez-nous dans l'église. C'est la sanctification positionnelle. Il y a la sanctification progressive. Cela veut dire que nous faisons effort, nous lisons la parole de Dieu, nous rénovons pour nous capables de grandir dans le Seigneur. C'est la sanctification progressive. Mais il y a un jour, bagaille a fini net, m'a privé dans ciel là. Est-ce que nous d'accord avec ça? Et le privé dans ciel là, c'est la sanctification finale. Amen. La sanctification finale, c'est fini avec toute notre bagaille. Parce que nous allons voir le Seigneur face à face. Et c'est ça que fait, en tant que chrétien, nous voulons chanter les paroles de ce cantique. Maison du Père, où ton amour m'appelle. Sainte cité, demeure des élus. Nous voyons la sanctification finale. Un jour, nous avons retrouvé nous dans la maison du Père. Songez le monde, ce n'est pas la caille. On joue au besoin à la caille papa. Parce que dans la caille, il y a eu qu'à mettre au déo. Ou acheter ou payer, ou bien 20 ans à payer. Ou style pour qu'on finisse payer. N'a prié mon Dieu pour personne ne va payer Dieu. Parce que je vous paye Dieu. Vous devez payer 20 ans. Banque la prendre. Il n'y a pas de pitié. Mais laissez-moi dire nous. La maison du Père, où ton amour m'appelle, sainte cité de beurre des élus. Les lieux qui éclairent une gloire immortelle. Cela veut dire que c'est la gloire de Dieu qui va éclairer Kaïsa. C'est pas PSG qui va le bon lumière. Mais c'est la gloire éternelle, la gloire de Dieu. On dit si chrétien était une valeur. Nous d'accord même. Nous avons marché à bon Dieu. Nous d'accord même. Si nous te connaissons qui préparation qu'elle fait pour nous. Si nous te connaissons qui. Apparition glorieuse qui va gagner pour nous. Si nous te connaissons qui transformation qui va le faire en vie, nous t'as vraiment souhaité la sanctification finale. Parce que, comme je te dis le dimanche, ici c'est pas vivre la vie. Parce que matin, on est capable de lever avec joie, après-midi, on dormir avec l'eau dans les yeux. Mais ce qui est important, c'est que un jour, ça va changer. Lors de la résurrection des chrétiens. Et bon, dis-nous, il y a un peu de monde qui n'a pas croit dans l'évangile, qui croit que tout ça prédicateur a dit, c'est le fait de mon dodo. Ou bien, vous êtes des rêveurs. Monde qui a rêvé, qui rêvait gros la journée. Vous entendez, monde qui rêvait gros la journée, avait dit qu'il pas, même dans la cabane, il chita la rêvé. Vous pensez que c'est rêvé la rêvé? Non, nous pas rêvé. Parce que Jésus-Christ a exemple là déjà. Bon Dieu a exemple là. Et nous prenons nos deux exemples à travers la Bible pour montrer nous que le bon Dieu dit la fond bagaille, il a une capacité pour faire ça là. Parce que regardez bien dans Genèse chapitre 5, le verset 24. Et premier exemple là, c'est l'exemple d'Enoch. La Bible dit nous que dans Genèse 5, 24, Enoch marcha avec Dieu. Et c'est le premier bagaille que nous avons besoin de nous noter. En tant que chrétien. Parce que nous ne faisons pas aucune promesse à monde qui va marcher avec bon Dieu. Mais monde qui va marcher avec bon Dieu, qui promet pour vous. Et nous marchons avec Dieu. Puis, il ne fut plus parce que Dieu le prit. Bon Dieu prend Enoch est enlevé dans le ciel. Montrez-nous tombe Enoch en bas ici. Personne, pas qu'à montrer. Parce que bon Dieu a enlevé Enoch. C'était le premier exemple pour mon Dieu montrer que ça me voulait faire, mon café. Deuxième exemple, c'est l'exemple d'Élie. Deux Rois chapitre 2, le verset 11. Exemple d'Élie. Comme il continuait à marcher, vous imaginez où tout le monde marche ensemble. Il, ILS. Ils ont continué à marcher ensemble, ils ont parlé ensemble. Voici un char de feu. Et des chevaux de feu les séparèrent.
Mais nous souligner le verbe séparer. Imaginez que nous avons marché ensemble. Nous sur route ensemble. Nous avons eu audience ensemble. Et puis il y a eu un bagage qui passe. Et ça qui passe, il est séparé. Nous avons cherché. Mais côté Eli. Et puis les regardé, il y a un chat qui a compté. Et puis Eli a compté la donne. Mes frères et mes soeurs, ça le dit à la paix, ce que sa bouche a dit, sa mère l'accomplira. Bon Dieu, par exemple déjà. C'est ça que les hommes vont étonner. Si un homme qui doit avoir une nouvelle, je connais ça, est-ce que M. Anderson a plat? Mais je connais que les gens prennent la caméra pour prendre la rue à faire interview, qu'on pile mon nom par là. Je ne vais pas cacher, dit, si vous êtes préparé, vous êtes là ensemble avec nous tous. Mais vous-même qui l'a matin, soyez sûr que le grand jour de résurrection est ce qu'on a. Et lui, la Bible dit nous, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent les uns des autres, l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Mes frères, mes soeurs bien-aimés, la Bible, la parole de Dieu, dis-nous comment va d'ailleurs passer. Ça que nous besoin, c'est que nous besoin prêts. Et pour nous mettre nous prêts, l'évangéliste Luc, en Luc 17, les versets 34 à 36, déjà dis-nous ça. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit. Assurons que nous tous les deux sommes chrétiens. Mais si il y a un qui a pris le bon Dieu, l'autre là, il n'y a pas de Jésus-Christ dans la ville, de deux personnes qui seront dans un même lit. L'une sera prise et l'autre qui ça? De deux femmes qui mourront ensemble. L'une sera prise et l'autre. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre. Dis bon Dieu merci d'être capable la matin. Pour assurer que si grand monde capable, mais c'est pas vous même. Est-ce que nous l'avons même? C'est pour faire tête une commission ça. Prenez mon capité, oui que mon capité, faites mon guérité, mais mon prends décision, c'est pas moi-même. Et c'est ça qui est important pour que le grand jour de résurrection que nous attendons, vous serez certain que vous serez ressuscité. Mais laissez-moi dire, non seulement une préparation spéciale, non seulement une apparition glorieuse, non seulement une transformation immédiate, non seulement une sanctification finale, mais dernière question que vous avez posée, non. Bon, qui qualité, monde nous va lier, les ça. Est-ce que c'est esclave? Est-ce que nous prenons libre? Est-ce que nous prenons chef qui s'en a prié? Et là, nous prenons dire, nous prenons lire ensemble avec nous. Dans 61, Esaïe 61, le verset 3. Parce que le dernier point du message de ce matin, après que Philippe parlait de préparation spéciale, d'apparition glorieuse, de transformation immédiate, de sanctification finale, maintenant, je voulais parler de la glorification éternelle. La glorification éternelle, ce sera pour l'éternité, le frère dormait, votre serviteur, je serai dans la gloire. Est-ce que, ou même tout, ou quand maintenant vous dit que vous serez dans la gloire? La glorification éternelle. Et vous savez que, là j'ai écrit la glorification éternelle des térébintes de la justice. La glorification éternelle des térébintes de la justice. Quand j'ai trouvé ce verset à travers la Bible, et ce mot relevant de la botanique, parce que térébinte, c'est une plante. Térébinte, c'est une plante. Donc c'est un mot appartenant à la botanique. Ça, moi, ça vient chercher dans la Bible. Quelle relation que le gain avec les enfants de Dieu. Au point que la parole de Dieu déclare qu'on les appelle des térébintes de la justice.
qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Je reprends ce texte, mon aimé. Qu'on les appelle, cela veut dire les rachetés de l'Éternel, les serviteurs de Dieu, vous et moi, en ce jour-là, qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire, la glorification éternelle des térébintes de la justice. Mais pour bien comprendre le texte là, nous besoin analyser cette conversation que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même l'a eu avec Pierre, l'apôtre Pierre. Matthieu 19, versets 27 et 28. Pierre arrive en côté, dans la conversation avec le Seigneur, lui poser Jésus une question. Lui dit, Seigneur, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Vous comprenez bien. Et peut-être c'est la question moi-même avec nous la matin, n'est-ce pas? Parce que pour sacrifice, pour faire. Parce que il y a des bagailles qu'on quitte dans le monde. Le monde offre au pire plaisir ou accepte de sacrifier toute bagaille pour suivre Jésus. Ou t'as posé la même question avec Pierre. Parce que quelqu'un offre que vous faites dans la vie, c'est peut-être Jésus que nous voulons quitter. Est-ce que nous l'avons pas même? N'était-ce pas Jésus ou t'as livré, même j'en tout le monde livré. Mais à cause de Jésus, à cause de pas à Jésus, on fait sacrifice. Et bon, dire, avec vos actes de Néo à matin, c'est gros sacrifice pour vivre l'église. Et bon, dis-nous, Pierre posait Seigneur la question, l'impression il était dans la tourmente. Même Jean que nous-mêmes, tout, qui t'a posé cette même question. Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Et Jésus répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire. Est-ce qu'on a suivi moi? Parce que je pèse sous moi, parce qu'il y a une valeur pour moi. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi. Mes frères, est-ce que nous la connaissons? Est-ce que nous la ensemble même? Regardez, parce que, bon, dis-nous, il y a des textes dans l'évangile, c'est un texte qui vous vaut courage, c'est un texte qui vous vaut force, et des affaires, dis-nous, libre-nous. Parce qu'il y a des fois, on s'est senti découragé. Parce que pour vous quitter, regardez, nous sommes des chansons qui dit, pendant les autres, ils vivent bien à l'aise. Ils vivent bien à l'aise.